Bonjour et bienvenue dans cet exercice du programme 66 Vacances, un programme d'entraînement pour être en forme et avoir les formes pendant vos vacances. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme et commencer depuis le début, eh bien cliquez simplement sur le lien situé sous la vidéo. Voici notre exercice. Pour cet exercice, eh bien, mettez-vous simplement assis au sol, hop, bien les pieds posés au sol, les jambes semi-fléchies, on sort la poitrine, les bras devant. Vous allez rentrer simplement le ventre, arrondir le dos, on va rapprocher le bas du dos du sol, ensuite tirer un coude vers l'arrière et on vient se redresser, sortir la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté, on rentre le ventre, on arrondit le dos, on rapproche le bas du dos du sol, on tire l'autre coude vers l'arrière et on se redresse. Ça, c'est notre exercice. Vous êtes prêts? On démarre, je lance le chrono. Prêt? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Poitrine haute, on expire. On arrondit le dos, on tire un coude vers l'arrière. Et inspire, on se redresse. Expire, on arrondit le dos, on tire l'autre coude vers l'arrière. Et inspire, on se redresse. Encore, on souffle. On essaye à chaque fois de descendre de plus en plus bas. Tirez bien un coude vers l'arrière. Plus vous allez descendre au bas, plus ça va être difficile. Forcément, plus ça va demander d'engagement au niveau de la sangle abdominale. Et n'oubliez pas de bien vous redresser à chaque fois. Sortez la poitrine. On expire, on tire un coude et on se redresse. Arrondissez le dos, descendez ensuite et tirez le coude vers l'arrière. Sortez la poitrine. Hein. On souffle et inspire. Encore, on souffle. Allez, 20 secondes, on sort la poitrine. On essaye de descendre un petit peu plus bas en gardant bien les pieds au sol. Encore, on souffle bien, on tire un coude. On essaye de tirer le coude un tout petit peu plus loin vers l'arrière. On souffle. On sort la cage, encore, encore, encore. Allez, une dernière fois. De chaque côté, on souffle. Et on se redresse, poitrine haute. Parfait. Cliquez maintenant sur une des petites vignettes pour poursuivre votre entraînement. Donc choisissez soit un exercice cardio, soit un exercice de renforcement musculaire ou alors un exercice pour le centre du corps. Avant de passer à l'exercice suivant, pensez à me donner un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet exercice. Je vous dis à tout de suite.